Donc on est réunis aujourd'hui pour lancer tous ensemble un projet un peu dingue. L'agisme, en fait, qui est une discrimination de la part de la société, devrait disparaître parce que c'est une chance de vieillir. Que des jeunes de la couture soient habillés des personnes âgées, je trouve que c'est formidable. Jamais j'aurais cru défiler un jour. Hein. Donc là, je suis en train de coudre la tunique que les personnes âgées vont porter lors du défilé. Aujourd'hui, nous avons environ 180 étudiants qui travaillent aussi sur la création des collections. Ils ont eu la chance de rencontrer des personnes âgées tout au long de la semaine. Nos étudiants qui ont entre 18 et 25 ans ont aussi des grands-parents, donc je pense que ça les touche particulièrement. On a voulu partir sur quelque chose qui était assez choc et provocateur. Faire ça en une semaine, assez rapidement avec des matériaux de récupération. Bah, c'est très bien passé. Ils ont beaucoup aimé le brainstorming autour de l'histoire du chapeau. Je pense que c'est trop timide. Le concept est intéressant. C'est un grand défi et aujourd'hui c'était l'occasion de découvrir ces personnes pour pouvoir mener à bien ce défilé et surtout pour que ces gens se sentent bien. Apprendre quelque chose à notre âge, ça c'est quelque chose de merveilleux pour moi. C'est un début. Vers la fin de ma vie, j'ai des débuts maintenant, moi. Voilà. La veille, j'ai toujours un peu de stress. Mais le jour même, mon stress part et puis tout va bien. Les locaux sont très grands, très spacieux. C'est magnifique. Il y a de la place pour travailler. Voilà, tu rentres, tu me suis et lui va se caler sur ton rythme. Cette expérience, elle m'a apporté beaucoup de choses, autant sur le plan de la créativité comme sur le plan de mon regard en fait avec la vieillesse. C'est vrai que c'est une question qu'on ne se pose pas forcément en tant que jeune créateur. C'était hyper intéressant et hyper boostant de faire ça avec une équipe, avec Petit Frère des Pauvres, parce qu'on a pu avoir vraiment un contact avec les personnes âgées et faire quelque chose qui leur ressemble et qui sont spécialement faits pour eux pour une fois. Bonjour. Bonjour, bonsoir à mesdames et messieurs, à toutes et à tous. On est vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui. Ce changement de regard, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vais vous laisser le découvrir, on a vu déjà les coulisses. Donc, je vous propose de lancer le show. C'est parti pour la première partie de ce show. C'est impressionnant, très impressionnant, mais heureuse de le faire, et inattendu d'ailleurs pour moi, parce que, à tout vous dire, à mon âge, j'en espérais pas tant.